Que ce soit dans Grease, Dirty Dancing ou encore plus récemment Twilight, les femmes ont toujours raffolé des bad boys. On va voir ensemble pourquoi et c'est sur Morning Kiss. Bonjour à tous, je suis Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et comme vous le savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, de base je ne suis pas fan du concept de bad boy. Mais on ne peut pas nier le fait que ce stéréotype attire et donne l'envie d'en savoir plus quand on est face à un homme un petit peu mystérieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bad boy assume ce côté mystérieux et il est là tout le secret. Dans des films tels que Grease, ce qui fait la différence entre lui et les autres, c'est le fait que lui assume sa différence. Il assume le fait qu'il ne puisse pas plaire en fait. C'est ça le secret de la confiance en soi, c'est assumer de faire les choses peu importe que ça plaise ou non. Le bad boy, par définition, il a généralement un langage un petit peu différent, un caractère un petit peu différent. Soit il parle très peu, soit il s'habille très différemment, soit il a un caractère où il s'isole des autres, où il cherche pas à rentrer en communication avec les femmes, et de ce fait là les femmes avancent vers lui parce que les femmes aiment les hommes qui ne suivent pas les règles. Les règles, ce sont les règles de l'éducation, ce sont les règles qu'on nous a apprises depuis qu'on est jeune, c'est-à-dire de savoir être très poli avec une femme. Je ne dis pas qu'il faut y être impoli, je dis juste qu'on vous a pas forcément appris les bons réflexes. C'est pour ça que vous avez des tonnes de vidéos sur Morning Kiss pour comprendre de quoi je parle. Le secret du bad boy, c'est le fait qu'il ne suit pas les règles, il ne suit pas le commun des mortels, il agit pour lui, pour sa confiance en lui, et c'est ça qui alimente la passion de la femme. Alors évidemment, après, il y a des femmes qui vont rentrer dans cette problématique et dans ce cercle vicieux, malheureusement, de vouloir changer l'homme. Et là, c'est une mauvaise chose. Je déconseille aux femmes qui regardent ces vidéos d'essayer de changer un homme, d'essayer de l'améliorer. Ce n'est pas notre travail. Un homme peut commencer un travail, un travail sur lui, sur sa confiance en lui, sur sa différence, mais ce n'est pas à nous de vouloir changer ça, de vouloir le rendre plus sincère ou plus fidèle, etc. C'est une liberté qu'il doit s'octroyer lui-même ou qu'il doit prendre lui-même. Mais en tout cas, pour ce qui est du bad boy en général, messieurs, je vous dis pas qu'il faille imiter, je vous explique juste, et surtout n'imitez pas si c'est pas vous. Je vous dis juste que ce qui compte chez un bad boy, ce qui fait la différence et ce qui fait que les femmes l'aiment, c'est qu'il assume. Il assume tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il porte en fait. C'est un stéréotype certes, mais il a confiance en ce qu'il dégage, il a confiance au fait qu'il soit différent des autres hommes et il en a rien à foutre. Et c'est ça qui plaît aux femmes en général. Et ce que j'ai envie de vous dire, messieurs, c'est que ces qualités-là, ce ne sont pas des qualités en réalité qui ne dépendent que des bad boys. Vous pouvez vous aussi assumer votre différence, et je vous conseille, mais de toute mon âme et de tout mon corps et mon cœur, d'assumer vos différences et de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que ça, c'est pas propre aux bad boys, c'est juste que c'est le cas le plus répandu et le plus stéréotypé. Ce que je vous conseille, c'est d'assumer votre personnalité, votre caractère, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre façon de ressentir les choses, de vous exprimer ou de considérer la vie. C'est ça qui va compter, que ça plaise ou pas. C'est pas ce qui compte. Ce qui va compter, c'est la façon dont, le rapport que vous allez avoir ces choses-là. Parce qu'à partir du moment où vous avez un bon rapport avec ce que vous avez, avec vos pensées, avec ce que vous avez en interne, une femme se dira dans ce cas-là que vous ne pouvez être qu'épanouissant pour elle, puisque vous allez lui apporter forcément un bon rapport de vous à elle et même peut-être un petit peu de elle à elle. Ce qui compte chez un bad boy, c'est pas ses traits de caractère, c'est loin d'être le cas. Ce qui va compter, c'est sa façon d'assumer les choses, de les vivre avec sincérité, avec franchise et surtout avec confiance et estime de lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous, messieurs, vous pensez du stéréotype du bad boy? Est-ce que vous, mesdames, vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que vous êtes passionnées par les bad boys? Qu'est-ce qui, selon vous, vous attire chez les bad boys? En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Pour les autres, n'hésitez pas à partager ou à liker ou à vous abonner à Morning Kiss ou à cette vidéo en particulier. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!